Bonjour et bienvenue pour un débat consacré à une question importante, une question qui concerne l'ensemble des citoyens, puisqu'il touche aussi bien à notre pouvoir d'achat qu'à la problématique de l'urgence climatique à laquelle nous sommes tous confrontés. Je veux parler de la question des logements et de la nécessité de réduire très fortement la consommation d'énergie issue des maisons, des appartements, des bâtiments. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut savoir que l'un des secteurs qui contribue le plus au réchauffement de la planète, c'est précisément le secteur du bâtiment, le bâtiment qui est responsable à hauteur de 19% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, selon les objectifs fixés par la conférence de Paris il y a 5 ans, eh bien la France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Ça signifie concrètement que dans moins de 30 ans, nous ne pourrons plus émettre de gaz à effet de serre. Alors, l'ambition est évidemment colossale puisque, je le rappelle, la nature de la croissance économique de notre pays comme celle du reste du monde est fondée, et ce depuis 150 ans, sur le développement des énergies fossiles, à commencer par le pétrole. Alors, dans un tel contexte, s'agissant du parc immobilier, du secteur du bâtiment, comment peut-on rénover écologiquement, énergétiquement, économiquement les logements, mais aussi les bureaux et l'ensemble des bâtiments d'ici à 2050 en France? Qu'est-ce que ça coûte? Et tout le monde en a-t-il les moyens? Et puis, question d'actualité très sensible, faut-il obliger tous les Français qui sont propriétaires à faire des travaux de rénovation, comme le préconise la Convention citoyenne pour le climat, qui a remis ses recommandations au président de la République il y a quelques mois? Ou au contraire, faut-il nous inciter seulement à faire des rénovations, et ce, pour quel résultat? Alors, en duplex avec nous, Marjolaine Meignier-Millefer, bonjour. Vous êtes députée de La République En Marche. Vous êtes spécialiste des questions énergétiques en termes notamment d'économie et de rénovation. Jean-Marc Theroyon, bonjour. Vous êtes président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Hélène Denise, bonjour. Vous êtes en charge de plaidoyer et de mobilisation à la Fondation Abbé Pierre. Avec nous, en plateau, Hervé de Grève, bonjour. Vous êtes le patron et fondateur de Fuel Reduc, une plateforme de distribution de fuel pour les particuliers. Alors, pour commencer, je voudrais aborder une question majeure, celle de l'urgence, au fond, et celle du temps que nous avons, qui nous reste, pour arriver à zéro émission carbone d'ici à 2050. Si on s'en tient au secteur de la construction, au secteur de la rénovation, il faut savoir qu'il y a 35 millions de logements en France, à quoi s'ajoutent bureaux, entreprises et bâtiments publics. Alors, j'ai une première question pour vous, Jean-Marc Theroyon. Avant même de parler d'argent et de coûts financiers, d'après vous, c'est réaliste comme objectif de tout rénover d'ici 2050 ou pas ? Je ne crois pas personnellement parce que, effectivement, la masse de logements est énorme. On a des considérations techniques. Je vais vous demander de répéter pour qu'on vous entende le plus clairement possible. Parlez près du micro, s'il vous plaît. D'accord. Écoutez, je ne crois pas que ça soit réaliste, pour autant, il ne faut pas renoncer. Je pense que la masse de logements à rénover est considérable, et pour autant, on a aussi des logements qui ont, au fond, des histoires différentes. Donc, 27 millions de logements, dont 29 millions de résidences principales, c'est énorme. Et je crois aussi qu'il y a une question d'objectif. Au fond, est-il réaliste de fixer un objectif aussi ambitieux? Ne faudrait-il pas, au fond, avoir des étapes progressives pour faire en sorte qu'il y ait un mouvement général de rénovation? Alors, je vais essayer de résumer. En fait, ce que vous dites, c'est que c'est un objectif ambitieux, il faut y aller par phase. Néanmoins, est-ce que vous pourriez mettre votre casque parce que ça sera beaucoup plus audible pour tous ceux qui veulent vous écouter et distinguer ce que vous dites? Parce que là, on a du mal à entendre. Je vais poser la même question à Marjolaine Meignier-Millefer. Est-ce que cet objectif est réaliste ou pas de tout rénover l'ensemble du parc immobilier d'ici à 2050 pour arriver à la neutralité carbone? Alors, j'espère que le son est meilleur que ce qu'on a eu avant. On vous entend très bien.
Super. Du coup, oui, effectivement, bah, en fait, réaliste, c'est une question. Avec aujourd'hui, la trajectoire qu'on a, ce n'est pas vraiment là où on est engagé. Il faut savoir qu'entre 2015 et 2018, le secteur des bâtiments n'a pas respecté sa trajectoire carbone. Au lieu de baisser, si vous voulez, il a même augmenté légèrement. Donc, c'est vrai qu'il va falloir qu'on fasse un changement radical et on relance les choses de manière beaucoup plus importante. Maintenant, dire que c'est impossible, j'ai envie de vous dire impossible, c'est pas français. Et puis, j'aurais aussi envie de vous dire qu'on n'a pas tellement le choix, puisque comme vous l'avez dit, la raison pour laquelle on fait tout ça, c'est parce que d'ici à 2050, on risque, si on n'a pas corrigé nos gaz à effet de serre et notre émission de carbone, un réchauffement de la planète à plus de 2 degrés qui ne sera pas soutenable, tout simplement. Donc l'objectif, il est tout simplement d'atteindre ces résultats, quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire, ça devient en ce moment une phrase... Alors au-delà du quoi qu'il en coûte, on va regarder évidemment quels sont les moyens qui sont mis en place pour contribuer à parvenir à ce résultat. Hélène Denise, est-ce que vous êtes du même avis que la députée ? Alors oui, nous, c'est vrai que... C'est un objectif qui est ambitieux, mais qui est nécessaire et qui est réaliste si on s'y met sérieusement dès maintenant et qu'on y met les moyens, notamment en mettant des priorités, comme disait Monsieur de la FNAIM, c'est-à-dire donner la priorité notamment à la résorption des passoires thermiques qui sont occupées par des ménages modestes. Donc il y a des étapes, mais c'est un objectif qui est nécessaire. Hervé De Grève, tout le monde dit bah oui, c'est réaliste parce qu'on est... Finalement, on n'a pas le choix. Mais au-delà du côté, je dirais, une volonté, est-ce que quand on observe les chiffres, on s'aperçoit que c'est du domaine de l'atteignable ou non ? Quand on regarde dans le rétroviseur, certainement pas. Et, c'est-à-dire ? Ce que disait Madame la députée, c'est que si on regarde ce qui a pu se faire et le nombre de logements qui ont pu être rénovés chaque année, et qu'on tire le trait, même en l'accélérant, même en le doublant, on n'y est pas et on est très très loin du compte. Alors qu'il y avait déjà des aides. Alors qu'il y avait déjà des aides, qu'elles vont crescendo, qu'on ajuste et qu'on s'améliore d'année en année. Donc c'est une équation qui est compliquée, enfin, c'est un débat qui pourrait nous occuper pendant, je pense, plus d'une heure, mais nous on résume un peu les paramètres de l'équation à trois paramètres. Il y a l'argent qu'on va mettre sur la table, donc ça on va en parler je pense tout à l'heure. Il y a la volonté des ménages, il ne faut pas l'oublier, parce qu'à un moment donné, même si on leur donne beaucoup d'argent, il y a beaucoup de ménages à qui on donne beaucoup d'argent aujourd'hui, ils ne le prennent pas et ils ne vont pas faire ça. On va essayer de comprendre pourquoi. On en parlera certainement. Et il y a la capacité des professionnels à réaliser les travaux, je crois que Elio en a beaucoup parlé tout à l'heure. Si l'argent est sur la table et que la volonté des ménages est là, je pense que les professionnels suivront, s'il y a des bons garde-fous. Mais c'est l'ajustement de ces trois facteurs qui va faire qu'on y arrivera ou pas, sans pouvoir vous donner plus alors, de... Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il y a 35 millions de logements à rénover globalement aux normes de basse consommation, ce qu'on appelle BBC. Et alors pour parvenir à son objectif, le gouvernement a prévu plusieurs dispositifs. Le plus récent concerne une enveloppe de 7 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments dans le cadre du plan de relance annoncé à l'automne dernier. Alors sur 7 milliards, il y a entre autres 4 milliards pour la rénovation de tous les bâtiments publics qui ne sont pas des logements. Et puis il y a par ailleurs 2 milliards pour ce qu'on appelle MaPrimeRénov, la rénovation des résidences principales, 2 milliards d'euros pour tous les ménages sans condition de revenus. Marjolaine Meunier-Millefer, ça veut dire que tous les propriétaires ont accès à ces 2 milliards ou pas ? Là, je ne vous entends pas du tout. Là. Pardon. Ça y est, j'ai rouvert mon micro, excusez-moi. Donc je disais, tous les ménages vont pouvoir y avoir accès. Simplement, il faut bien comprendre que ces aides seront modulées en fonction des revenus de chacun. Et c'est bien normal, ce sont les ménages les plus précaires qui recevront les aides les plus importantes. Et les ménages les plus aisés auront des aides incitatives, mais moindres. Et est-ce que ce sont les plus précaires, généralement, qui demandent le plus d'aides pour les travaux ? Bah, c'est eux qui ont le plus de mal à boucler les travaux, hein. Vous pouvez vous en douter. Alors, vous voulez dire le nombre de travaux aujourd'hui effectués ? Alors, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, si on se base sur le passé, c'est pour ça qu'il y a une transformation du crédit d'impôt transition énergétique en MaPrimeRénov. L'historique, c'était qu'il y avait... Voilà, le fameux CITE. En fait, c'était les ménages les plus aisés qui bénéficiaient de la très grande partie des aides, et c'est eux qui faisaient 50% des... Les 20% des Français les plus riches faisaient 50% des travaux.
Et ça, c'était parce que le crédit d'impôt transition énergétique, comme il avait ce format crédit d'impôt, il fallait attendre un an pour avoir droit aux aides. Donc, ça dissuadait les gens qui n'avaient pas la trésorerie pour faire les travaux. Bien sûr. Et ensuite, vous aviez aussi des gens qui, du coup, se disaient bah, « je ne paye pas d'impôt, je n'y ai pas droit ». Mais alors, ça veut dire en que réalité, demain, si la population plus largement peut bénéficier de ces aides, comme vous l'expliquez très bien, est-ce que ça veut dire que je fais partie d'un ménage plutôt précaire par rapport à mes revenus, lorsque je vais lancer des travaux, est-ce que ces travaux vont m'être avancés ou c'est moi qui dois faire l'avance de travaux ? Puis les aides viendront après. Alors aujourd'hui, les aides sont versées au moment des travaux. Et c'est la grande transformation de ma prime. Donc, ce n'est pas moi qui paye. Alors, vous avez un reste à charge qui va être variable selon vos revenus. Selon les moments, vous allez avoir un reste à charge plus ou moins important. Ce reste à charge, il peut être de seulement 10% pour les ménages les plus précaires. Mais ce n'est pas aux particuliers d'avancer les travaux. C'est-à-dire qu'il faudra bien qu'il y ait le versement au moment où ils font les travaux. Mais normalement, du coup, ce jeu de versement, etc., se fait de manière concomitante, ce qui fait qu'ils ont l'argent quand ils doivent payer les travaux. Hervé de Grève, verser de l'argent en amont des travaux, est-ce que ça, c'est un problème ou au contraire, c'est totalement neutre et les gens y vont quand même ? Ce qu'on observe dans les travaux qu'on accompagne sur notre clientèle Fuel, qui en fait beaucoup, hein, puisqu'ils y sont largement incités aujourd'hui, c'est qu'on les accompagne uniquement aujourd'hui vers des gens qui sont capables de leur avancer les aides pour leur éviter, un, les tracas administratifs parce que ça reste encore assez complexe, ça l'était, ça l'est moins, mais ça le reste encore pas mal, et deux, malgré tout, il peut y avoir des décalages liés à des phénomènes exceptionnels. Donc l'aide ne m'est pas versée en amont. Donc nous, on travaille que avec des gens qui font des devis nets des aides. Donc, c'est-à-dire que le client ne va payer que son reste à charge sur les travaux. Les aides sont prises en charge par le professionnel lui-même qui lui-même va se les faire rembourser par l'État. C'est nous, pour éviter ce problème, pour contourner ce problème et pour éviter ces tracas à nos particuliers, on les envoie uniquement vers des professionnels qui sont capables de leur avancer les aides. Mais alors, ça veut dire, Hélène Denis, qu'il peut y avoir un décalage dans le temps entre le moment où moi, j'investis dans les travaux et le moment où ça va m'être remboursé. Est-ce que ça, c'est de nature à être un frein ou pas ? Alors oui, c'est un frein. On a vu cette année beaucoup de ménages modestes justement qui avaient dû abandonner leur projet de travaux parce que MaPrimeRénov' cette année a eu, à cause d'énormément de demandes, des problèmes techniques, du mal à traiter les dossiers. Donc beaucoup de travaux qui ont été stoppés, des entreprises qui ne pouvaient pas forcément commencer les travaux sans avoir l'avance, etc. On parle de ménages qui sont très modestes, qui sont aux minima sociaux, pour qui même 10% de reste à charge, en général, c'est quand même plutôt 35% quand on est sur une rénovation globale et performante, vers quoi on va quand on est dans une passoire thermique, donc un logement qui est très énergivore et pour qui seulement un changement de fenêtre, une isolation par l'extérieur n'est pas suffisante pour sortir du statut de passoire thermique. Et donc, pour ces personnes-là, 35% de reste à charge, même 10%, ça équivaut à 2000 euros, parfois 10 000 euros. Il faut savoir qu'une rénovation performante, ça peut aller jusqu'à 70 000 euros. À la Fondation Abbé Pierre, on a un programme qui s'appelle SOS Study et on essaie de combler le financement pour les ménages qui essayent de rénover leur passoire thermique. Et parfois, on met des aides sur des travaux qui vont jusqu'à 70 000 euros. 50 000, c'est une moyenne presque. Donc voilà, aujourd'hui, les aides, elles ne sont pas suffisantes. Et en effet, il y a ce problème aussi de sortir l'argent, etc., pour des personnes qui sont très modestes et qui n'ont pas du tout les moyens de sortir, si ce n'est seulement 100 euros, 200 euros, 2000 euros, c'est impossible. Oui, alors effectivement, puisqu'on a fait le calcul, et effectivement, ce que permet d'obtenir les aides financièrement, quand on regarde de façon assez près, le résultat est assez surprenant. Par exemple, si on prend un ménage qui gagne 40 000 euros par an, et si ce ménage décide de faire une rénovation globale de son logement de 100 mètres carrés, hein, eh bien, en faisant un changement de chaudière, travaux d'isolation, changement de fenêtre, le coût estimé approximatif sera, je dis bien approximatif, de 67 000 euros. Et le montant d'aide maximum que ce ménage donc, aura droit est de 15 000 euros. Ça veut dire qu'avec un reste à charge à 47 000 euros, est-ce que vous pensez que ces aides sont suffisamment incitatives, Marjolaine Meignier-Millefer ?
Alors, tout ce qu'a dit Hélène est parfaitement juste, hein. Tout n'est pas réglé. Simplement, je voudrais souligner le fait qu'il y a eu quand même un net progrès en termes d'accès aux ménages les plus précaires à partir du moment où le CITE a été transformé en MaPrimeRénov. Maintenant, on a bien conscience que c'est pas terminé, hein. C'est pour ça que par ailleurs, il y a une task force, je crois que c'est le terme, qui a été lancée pour justement voir comment on pouvait travailler sur l'accompagnement au financement de ce reste à charge pour tous les ménages, parce qu'on se rend bien compte que ce sera, comme vous le disiez très bien, pas possible de mettre en œuvre des obligations quelles qu'elles soient si en même temps on ne met pas en face des solutions pour accompagner les ménages. Donc voilà, par ailleurs... Mais alors, est-ce que ça veut dire que, par exemple, s'il y a des travaux de 67 000 euros et qu'il y a 15 000 euros d'aide, au fond, avec un reste à charge à 47 000 euros, est-ce que ce n'est pas 20 ? Alors, je m'adresse à vous d'abord et Jean-Marc Thorion après. Alors, 20, j'espère pas. Aujourd'hui, les gens ont quand même conscience que c'est aussi un effort que, non seulement qu'ils veulent faire parce qu'ils vont bénéficier d'un meilleur confort dans leur logement, mais aussi que c'est quelque part une trajectoire dans laquelle on est. Donc, il y a ça. Derrière la question de ce pourcentage que vous mentionnez, ça veut dire probablement que les gens sont éligibles à des prêts à taux zéro en parallèle et que les économies d'énergie réalisées pourront aussi couvrir une partie du remboursement de ces prêts. C'est un peu tout l'enjeu. Par ailleurs, de mon côté, j'essaye de travailler à une logique d'accompagnement des ménages les plus précaires qui permettrait d'arriver à une rénovation à 100%, qui soit 100% accompagnée, mais qui soit également 100% financée. Aujourd'hui, on n'est pas si loin du compte avec des dispositifs comme... Habiter mieux Sérénité qui est un programme de l'ANA. On a des aides qui sont importantes avec un accompagnement très important et une rénovation très profonde. Donc la question, c'est de savoir comment on peut faire passer un pas plus loin à des dispositifs tels que celui-là pour arriver à du 100%. Jean-Marc Thorion, vous partagez ce point de vue sur en fait, le fait que malgré des trous dans la raquette, globalement, les choses vont dans le bon sens sur... le reste à charge pour les particuliers et les ménages. Moi, j'ai fait partie de la task. J'ai fait partie de la task force qui était à l'origine des propositions qui ont été mises en place, et je fais partie de la task force, il cherche d'ailleurs sur le financement. Et il faut voir qu'il y a deux aspects dans le financement. Il y a MaPrimeRénov qui d'ailleurs maintenant s'adresse à la copropriété, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et il y a les C2E. Et d'ailleurs, je pense que dans le certificat d'économie d'énergie. Voilà. Je pense que dans le calcul que vous avez fait, vous avez dû inclure également les certificats d'économie d'énergie. Absolument. Et ces certificats d'économie d'énergie, il faut aussi que le donneur d'ordre, le maître de l'ouvrage, le propriétaire, se les approprie. Je pense qu'il y a là beaucoup à faire pour qu'ils soient valorisés justement et qu'ils soient bien compris, y compris des entreprises. Ensuite, ne croyons pas un instant que ça ne coûtera pas. On a quand même globalement aujourd'hui 80% des propriétaires occupants qui ne sont pas endettés. Et donc, souscrire un prêt pour rénover son appartement, souscrire un prêt pour 40 000 euros de travaux ou un reste à charge, ce n'est pas incompatible pour un certain nombre de copropriétaires. Donc, effectivement, il faut se concentrer sur la précarité énergétique liée à la qualité des propriétaires qui peuvent être effectivement dans des situations difficiles, mais en aucun cas considérer qu'on ne peut pas aujourd'hui engendrer un mouvement de rénovation énergétique sous prétexte qu'il ne serait pas financé à 100%, sinon on n'y arrivera pas. Donc, oui, ça va coûter. Je pense qu'il y a une prise de conscience. La meilleure prise de conscience pourrait être d'ailleurs que le marché sanctionne la non-rénovation. C'est-à-dire que demain, un logement qui est E, qui est 2, se vend nettement moins cher ou se loue nettement moins cher que le logement qui est performant. Il y a une chose aussi que moi j'ai demandé, c'est l'implication des collectivités locales. Je pense que l'obligation de rénovation, l'objectif de rénovation devrait être intégré dans les plans d'urbanisme aujourd'hui pour impliquer les collectivités territoriales et qui pourraient donc avoir une aide en fonction du patrimoine de leur commune et de la qualité de leur, des propriétaires de leur,
des personnes qui effectuent cette rénovation. Donc, moi, je vois le verre à moitié plein et je pense que les choses vont quand même s'enclencher. Donc, si je reprends l'exemple du reste à charge de 40 000 euros, de plus de 47 000 euros sur l'exemple que je citais pour un logement de 100 mètres carrés, globalement, ce que j'entends, c'est de dire, bah oui, il y a un moment donné, seul l'État ne pourra pas contribuer à faire réduire les émissions carbone. Il faut aussi que ça soit sur les épaules des ménages français. Des ménages en France. 40 000 euros sur 10 ans, c'est 4 000 euros de remboursement par an, divisé par 12 à 1%. On regarde l'économie et de la valorisation, je pense que c'est acceptable. Hélène Denise, vous pensez que c'est acceptable ? C'est acceptable pour ceux qui en ont les moyens. Pour les propriétaires modestes, c'est impossible. Parce que je rejoins Madame la députée, donc il faut vraiment un financement à 100%. Et puis, il faut savoir que les éco-prêts ne sont pas toujours accessibles pour les ménages les plus modestes. Les banques sont encore très réticentes. Et en plus, ces éco-prêts sont relativement limités. Ils sont plafonnés à 30 000 euros avec des durées de remboursement sur 15 ans. C'est une durée qui est très courte pour des ménages qui sont très modestes, qui sont aux minima sociaux et pour qui 4 000 euros par an, c'est impossible à rembourser. Il ne faut aussi pas oublier que parmi les 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique, c'est-à-dire qui ont froid chez elles, qui n'arrivent pas à payer leur facture d'énergie ou qui n'arrivent même pas à se chauffer parce qu'elles vivent dans des logements qui sont trop énergivores, beaucoup de personnes sont en situation de restriction, c'est-à-dire qu'elles ne se chauffent même plus parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Donc ces personnes-là ne peuvent même pas compter sur les économies qu'elles feront ensuite sur leur facture d'énergie suite à la rénovation. Et ça, c'est un profil qu'il ne faut pas oublier. Et Hervé Degrève, vous êtes au plus près des terrains parce que vous fournissez, enfin via votre plateforme, vous êtes en contact de gens donc, qui consomment du fioul. Est-ce que vous avez le sentiment que les gens sont prêts à faire des travaux de rénovation ou pas, considérant qu'il y a des aides pour cela, quand bien même il y a des restes à charge? Et dont beaucoup de précaires, pour rebondir sur ce que disait la Fondation Abbé Pierre à l'instant. Nos clients fioul, et les clients fioul dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont souvent beaucoup pointés du doigt, ne sont pas forcément plus précaires que la moyenne des Français, mais en revanche, sont beaucoup plus précaires énergétiques que la moyenne des Français. Ils ont des plus grandes maisons, plus anciennes, des chaudières plus anciennes, avec un combustible dont le prix peut varier, et du coup, la pression énergétique sur leur budget global est plutôt 2 à 3 fois supérieure à la moyenne des Français. Donc, c'est des gens qui se retrouvent pas forcément pauvres ou très pauvres, mais qui se retrouvent dans une situation de pression énergétique très forte. Donc, est-ce encore que plus les aides soumis... sont incitatives pour changer ou pas alors ? Alors, l'exemple que vous donniez, quand il s'agit de dépenser 10, 15, 20% finalement de la valeur de sa maison, d'investir cet argent dans sa maison, c'est souvent un mur d'investissement qui fait peur à beaucoup de gens, d'autant plus qu'on parle d'un projet qui est complexe. On parle beaucoup de changement de chaudière sur nos clients. Déjà, changer sa chaudière, aller sur une autre énergie, on leur pose 20 questions. C'est déjà changer le monde, c'est déjà changer leur monde, leur chauffage au quotidien, leurs habitudes, leurs fournitures. Mais alors, s'il faut changer la chaudière, changer les fenêtres et changer tout en même temps, et répondre à toutes ces questions pour le faire bien, parce que c'est un projet qui est sur 20 ans, sur 30 ans, les gens souvent se détournent de ça et malheureusement se tournent aujourd'hui vers des solutions qui sont beaucoup plus financées, à savoir des petits gestes. Donc je change la chaudière, je change les fenêtres, j'isole mon bâti, ce qui est déjà bien, mais ce qui leur donne l'illusion qu'ils vont dans le bon sens, c'est souvent ce qui les incite à s'arrêter. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis que ces aides ont été affirmées, dont on a fait la publicité et la promotion, est-ce que vous avez un sentiment d'un mouvement où au fond ça n'a pas changé grand-chose ? Sur notre clientèle à nous, a fortiori, puisque c'est des gens effectivement dont l'énergie est la plus émettrice de CO2 parmi toutes les énergies du marché. C'est aussi, cyniquement, c'est aussi l'énergie la moins chère du marché, juste après le bois, en kilowattheure d'énergie consommée. Donc les gens sont face à un dilemme. Donc il ne s'est rien passé. Et donc globalement, il ne se passe pas beaucoup plus de choses, à part que les gens se posent plus de questions, donc nous interrogent beaucoup plus. Mais est-ce qu'ils passent à l'acte ? Ils ne font pas beaucoup plus de travaux chez nous, en tout cas qu'ils en faisaient l'an dernier. Et ce qui se passe, c'est que la répartition des travaux va être différente. C'est-à-dire quand l'État a fait beaucoup la promotion de la pompe à chaleur, tout le monde s'est tourné vers la pompe à chaleur au détriment du gaz, au détriment du bois, au détriment du fioul. Quand aujourd'hui on dit que le fioul sera interdit dans un an, on va y venir. Effectivement, le fioul n'est plus vraiment une option pour grand monde. Et les autres, donc c'est pas tant sur la proportion des gens qui changent que sur la répartition des changements. Donc,
d'abord, il y a une forme d'inertie de la part des ménages, pour le moment, en tout cas dans le secteur que vous connaissez, sur la volonté ou pas d'aller faire des travaux de rénovation avec les aides qui sont censées les accompagner. Malgré ça, pour l'instant, il n'y a pas de mouvement. Je relevais, moi, trois réflexions qu'on nous fait souvent quand on questionne nos clients là-dessus, ou lors des projets, ou à l'abandon d'un projet. Ce sont des aides pour les autres. Les gens ont toujours l'impression, même s'ils peuvent même avoir si ces aides, concernés. Même s'ils sont concernés, ils ont toujours l'impression qu'il y a plus pauvres que soi, donc ce n'est pas des aides pour moi. D'autant plus que les aides jusqu'au 11 janvier n'étaient pas universelles. Elles le sont, heureusement, aujourd'hui, donc on va communiquer largement dessus. On en parlait tout à l'heure, mais beaucoup de gens disent « rien ne m'assure que je vais toucher les aides ». Pourquoi les gens se disent ça? Les gens se disent ça parce qu'ils ont tous entendu un voisin qui, comme le disait la Fondation de l'Abbé Pierre, a tardé à recevoir ses aides ou les aides sont finalement confinées. Ah oui, en fait, je dois d'abord dépenser de l'argent avant qu'on rembourse. On me promet 7 000 euros sur ma chaudière à 10 000 euros, mais en attendant, je dois payer 10 000 euros fréquemment. Donc c'est pour ça que c'est un des freins aujourd'hui que les gens, en tout cas, ont, rationnel ou pas. Et en général, on nous dit, et c'est pour ça qu'on va là-dessus, si vous pouvez tout gérer pour moi et que j'ai plus que 1 000 euros de reste à charge à avancer, j'y vais. Sinon, je préfère ne rien toucher parce que c'est trop risqué économiquement pour moi. Marjane Ménilfer, c'est quand même intéressant ce que vient de dire Hervé de Grève. C'est-à-dire que malgré les dispositifs, etc., en gros, alors sur un segment de clientèle, il y a une espèce d'attentisme. Oui, mais non, mais c'est tout à fait juste ce que dit Hervé de Grève, pardon. Et c'est vrai que sur le changement des chaudières fuel, autant sur le principe, je crois qu'on est tous d'accord que le fuel, ce n'est pas une énergie d'avenir, autant quand l'idée a été de dire il va falloir progressivement aider les gens à changer leur chaudière fuel pour aller vers les plus vertes d'un point de vue écologique, la réaction a été une réaction d'angoisse. Très très forte, et je pense que Hervé a dû effectivement voir ça arriver, leur dire non mais rassurez-vous, ça ne va pas se faire de manière comme un marteau qui vous tape sur la tête du jour au lendemain. C'était une grosse inquiétude. De la même manière, la question aujourd'hui des gens, vous parliez un peu de contraintes, d'obligations qu'on pourrait mettre en œuvre pour aller plus vite sur la rénovation énergétique, enfin que le débat est là-dessus. Il faut savoir qu'on a déjà envisagé ça dans la loi énergie-climat. Il y a déjà eu un débat autour de ce sujet. Et quand on l'avait envisagé, la réaction des gens, moi j'en étais très très surprise. Les locataires des logements en fait, qui étaient considérés comme des passoires thermiques, ils sont venus nous voir en nous disant « mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? N'interdisez surtout pas à la location ces passoires thermiques d'ici 2028 parce que nous, on ne pourra plus se permettre de les louer en fait. Dès qu'ils seront de meilleure qualité, ces logements, ils ne seront plus pour nous. Donc il faut qu'on lutte contre toutes sortes effectivement d'a priori des gens et qu'on les aide progressivement et collectivement sans mettre personne dans une situation d'étau où ils seraient coincés entre le marteau et l'enclume. Il faut qu'on aide tout ça à avancer de manière fluide. Quel regard vous portez là-dessus, Jean-Marc Torreillon, quand vous entendez cela ? Alors, plusieurs choses. D'abord, je ne partage pas l'idée selon laquelle aujourd'hui ces aides ne sont pas utilisées. Je discutais récemment avec le président de la FFB. Il y a un vrai mouvement à l'égard de MaPrimeRénov'. Il est peut-être sélectif dans le type de clientèle, peut-être, mais le mouvement est enclenché. Je voudrais aussi illustrer ce que représente un certificat d'économie d'énergie pour que les gens qui nous écoutent. Bien. J'ai un exemple sur une chaudière fuel collective. Chaudière fuel collective, que l'on change pour une chaudière fuel collective. 153 000 euros de travaux, 86 000 euros de certificat d'économie d'énergie. Je vous dis ça parce que je veux quand même illustrer ce que peuvent représenter les fiches aujourd'hui existantes, un peu complexes, dans les certificats d'économie d'énergie et le rôle des professionnels que de le savoir et de le valoriser vis-à-vis de leurs clients. Ensuite, sur l'obligation de rénovation pour les passoires thermiques, notamment en matière de location, comme l'évoquait Mme la députée, qui est le projet actuellement qui va être soumis à l'Assemblée nationale. Évidemment, il y a un enjeu, parce que 1 578 000 logements, au terme de l'étude d'impact, concernés par cette interdiction de location d'ici 2028, que va faire le propriétaire ? Deux attitudes. Soit il se met en vente, parce qu'il estime qu'il ne va pas pouvoir faire les travaux. N'oublions pas que 11% de nos propriétaires appartiennent aux 4 premiers déciles de la nomenclature des revenus. Soit, effectivement, il fait les travaux. Et effectivement, il va en entendre une certaine contrepartie à un certain rendement.
Et donc, il va falloir trouver l'équilibre dans cet aspect-là. Et alors, on fait comment ? On fait comment pour faire en sorte de retenir les classes populaires qui ont besoin de se loger, alors qu'il risque d'y avoir une inflation, puisque on va faire des travaux et il va falloir rentabiliser les travaux qu'on a faits, donc augmenter les loyers ? On a quelques propositions à faire, notamment elles sont d'ordre fiscal, finalement. J'estime qu'en contrepartie d'un accompagnement d'État et donc d'argent public, on pourrait peut-être accompagner cela d'une certaine obligation de plafonnement de loyer, comme aujourd'hui dans le Pinel ou dans le Denormandie dans l'ancien, pendant 6, 9 ou 18 ans en fonction de l'avantage fiscal consenti. Et ainsi, on accompagnerait tout l'objectif, maintien du logement dans le secteur privé locatif, loyer de sortie qui est encadré et modéré, et accompagnement fiscal du propriétaire. Alors effectivement, on voit bien les... Pardon, vous vouliez ajouter quelque chose, Oui, merci. En fait, je voulais juste interroger Jean-Marc Torraillon pour savoir si ce n'est pas un petit peu le dispositif, parce que moi je pensais à ça, de conventionnement avec l'ANA. L'ANA aujourd'hui peut accompagner les propriétaires bailleurs dans le cadre d'un conventionnement, c'est-à-dire qu'ils acceptent de mettre des loyers accessibles en fait aux ménages précaires. Du coup, ils ouvrent quelque part une forme de logement social diffus et en contrepartie, il y a un accompagnement de l'État. Alors peut-être que c'est ce dispositif qu'il faut consolider. Ce dispositif, il a très peu de succès parce que les loyers sont beaucoup trop. Nous, ce que nous avons proposé, c'est plusieurs éléments. C'est de doubler le déficit foncier imputable sur le revenu dès lors que 40% des travaux concernent la rénovation énergétique. Et puis, nous avons proposé également l'extension du Denormandie dans l'ancien pour toute acquisition d'un appartement F ou G qui était loué, dont les travaux sont faits et maintenus en location derrière. En quelque sorte, ce serait la vente en état futur de rénovation. Et puis, enfin, sur les bailleurs existants, proprement dit, je pense qu'il va falloir ajuster au travers de ma prime rénov' et les CE2 une aide majorée en contrepartie, une fois encore, d'un loyer intermédiaire. Et pas d'un loyer social ou très social, il n'y aura aucun rendez-vous là, à ce niveau-là. Voilà. Alors, juste pour revenir à notre sujet sur les aides, il y a l'aspect aide, et il y a l'aspect coercition. Je vais revenir sur l'histoire du fioul parce que il y a effectivement une question d'actualité en ce moment concernant l'énergie. Il faut savoir qu'il y a 3 millions de ménages aujourd'hui qui se chauffent au fioul. Et en ce moment, un projet de décret est en cours d'élaboration pour fixer l'interdiction de l'installation de chaudières au fioul à partir de 2022. Hervé de Grève, comment vos clients réagissent-ils ? Alors, on en installait déjà plus beaucoup, puisque, comme le disait la députée, ce n'est pas une énergie d'avenir. On en installait, je crois que les derniers chiffres, c'était 40 000 par an, donc plus dans le neuf et 40 000 en rénovation. Donc, c'est très peu par rapport aux 3 millions et même un peu plus de 3 millions. Donc, c'est par rapport à eux qu'on a fait on est en train de faire un décret par rapport à 40 000 personnes ? Pour qu'il n'y en ait plus, effectivement. C'est peu quand même. Alors, plus dans certaines conditions, parce que le décret ménage quand même des espaces pour que dans des zones très reculées, on puisse installer du fioul, puisqu'il n'y a aucune autre solution. Et puis, c'est un signal envoyé aux clients fioul pour qu'ils se projettent moins dans cette énergie et qu'ils aillent sur d'autres énergies. Donc, les clients. Ça, c'est le projet de décret qui est plutôt bien perçu par la profession et par les clients qui le lisent dans le détail aujourd'hui. Ce qui a été moins bien perçu, c'est évidemment les annonces d'Edouard Philippe fin 2018 et celle d'Emmanuel Wargon cet été, qui était une interdiction du fioul. Et même certains médias aujourd'hui relaient, encore plus, pas plus tard que ce matin, dans la PQR, je lisais, plus le droit d'utiliser du fioul au 1er janvier 2022. Donc il y a cette incompréhension. Mais qu'elle soit radicale comme celle que vous exprimiez ou qu'elle soit un tout petit peu plus tempérée comme celle qui est en cours, est-ce que la coercition est de nature à inciter les citoyens ou pas ? C'est sûr que ça ne crée pas le meilleur des réflexes en nous. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui nous disent, qui viennent me la chercher, ma chaudière au fioul. On a même des clients, je ne vais pas vous dire une majorité, mais on a pas mal de projets aujourd'hui, de gens qui nous disent, réinstallez-moi une chaudière au fioul avant que ce soit interdit. On a ce type de comportement. Pour quelle raison ? Simplement parce que ce n'est pas cher. Aujourd'hui, le fioul n'est pas cher et installer une chaudière au fioul, même s'il n'y a pas d'aide, ça reste un des systèmes les plus économiques à installer. Donc on a des gens qui vont jusque-là parce que ça va être interdit
qui veulent aller contre le système. Je vous rassure, ce n'est pas une majorité, mais les déclarations, le décret va dans le bon sens, selon moi et selon la profession. En revanche, les déclarations étaient un peu trop extrêmes et surtout beaucoup trop stigmatisantes pour notre clientèle qui majoritairement subit cette énergie, c'est-à-dire c'est une énergie qu'il n'a pas choisie. C'est parfois, il a racheté une maison qui était au fioul ou a installé du fioul à une époque où le fioul était la panacée, le confort moderne. Et du coup, aujourd'hui, en lui disant que c'est lui qui est la source de tous les maux de la planète et l'économie trop dépendante de l'Arabie Saoudite, il a du mal à l'entendre. En revanche, il est beaucoup plus à même d'entendre un discours qui consiste à lui dire « Voilà les solutions. Il y a une solution de pompe à chaleur. Est-ce qu'elle est adaptée à chez toi, oui ou non? Est-ce que tu es connecté au gaz, oui ou non? Est-ce que le bois est adapté à l'espace que tu as pour stocker, oui ou non ?» Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de faire tampon entre la législation, qui, selon nous, encore une fois, va dans le bon sens, et la réalité de ce qui est possible à faire chez chaque foyer en fonction de sa situation géographique et de la topologie de sa maison. Et Hélène Denise, le côté coercitif, si je prends cet exemple-là, qui n'est qu'un exemple, évidemment, mais le côté coercitif derrière des aides, est-ce que c'est de nature, encore une fois, à inciter ou plutôt à créer de l'immobilisme, voire de la résistance? Eh bien, aujourd'hui, nous, on rejoint les conclusions du Haut Conseil pour le climat. Les politiques incitatives, elles ne suffisent plus, dans tous les cas, pour atteindre les objectifs climatiques et pour protéger les personnes qui sont en précarité énergétique. Donc, il faut être plus coercitif. Oui, enfin il faut, comme l'a dit Monsieur de Foulon-Réduc, il faut que ce soit accompagné de moyens humains, financiers qui soient suffisants et d'un accompagnement vers les ménages pour leur expliquer qu'est-ce qui va être en place, comment est-ce que la transition va être possible. À nouveau, il faut que cette transition énergétique, environnementale, elle soit sociale et elle soit juste. Parce que ça pose finalement la question de l'obligation de faire des travaux d'une certaine façon. Et est-ce que cette obligation-là, ce n'est pas risqué? Là je me place sur un terrain aussi politique. Quand on sait qu'en d'autres temps, si je prends par exemple le mouvement des Gilets jaunes, qui avait été initié en partie à cause de l'augmentation de la taxe sur le diesel, qui avait donc effectivement été très éruptif à l'époque, en 2018, Marjolaine Meunier-Millefer. Oui, je suis d'accord avec vous. La brutalité dans les dispositifs, c'est toujours compliqué parce qu'effectivement, les gens se sentent acculés et on les comprend. La question, peut-être, elle peut être un peu intermédiaire et c'était le choix qu'on avait fait en 2019 dans le cadre de la stratégie climat. Coercible dans le temps, c'est-à-dire de ne pas la mettre dès demain, mais par contre de donner un calendrier lisible d'obligations ou de contraintes jusqu'à 2050, pour qu'en fait on se rende bien compte qu'on ne pourra pas échapper à ce sujet dans les années à venir. Donner la lisibilité aux acteurs économiques de savoir qu'effectivement il y aura un marché durable devant eux et que donc ils peuvent s'y engager sans crainte, parce qu'aujourd'hui les acteurs économiques n'ont pas la lisibilité suffisante pour pouvoir à la fois innover, à la fois s'organiser, à la fois se projeter. Et tout ça, du coup, freine l'innovation, freine aussi les solutions qu'ils peuvent apporter. Et ça freine notamment, moi je parle par exemple de la main-d'œuvre dans les territoires. Aujourd'hui, moi je suis persuadée que nous n'avons pas les moyens humains, je parle de l'outil de production de rénovation dans tous les territoires, nous n'avons pas les moyens demain de mettre en œuvre une obligation qui serait celle du rythme qu'on devrait d'ores et déjà pourquoi avoir. Parce qu'il y a pas, les gens ne sont pas suffisamment formés dans le secteur de la construction du bâtiment. Alors les deux, c'est de la formation continue hein, dans le secteur du bâtiment, parce que c'est des innovations constantes à la fois dans les process et dans les matériaux et équipements utilisés. Il faut régulièrement rafraîchir ses savoirs. Donc ça c'est une première chose. Il y a aussi une problématique de savoir travailler en commun. C'est-à-dire changer ses méthodes de travail. Aujourd'hui, les artisans, ils ont plutôt tendance à travailler de manière séquencée. Ils interviennent chacun à leur tour dans les bâtiments sans jamais se coordonner, enfin ou rarement se coordonner. C'est plutôt dans le neuf qu'on trouve des opérations coordonnées. Dans l'innovation, vous faites appel à tel ou tel artisan pour un problème ponctuel. Vous avez rarement un collectif d'artisans qui intervient sur votre maison. Ça pose effectivement la question, en gros, de l'approche des travaux par geste,
ou de nature, en partie en tout cas ça pose cette question-là, les travaux par geste ou des travaux de nature globale. Quand je parle des travaux par geste, ça veut dire concrètement qu'une année on change les fenêtres, une autre année on change de chaudière. Est-ce qu'au fond l'approche par geste qui aujourd'hui est celle qui est largement utilisée par les gens est suffisante ou au contraire on voit bien que c'est très limité à l'aune des objectifs qu'on doit atteindre dans les 30 années à venir, Hélène Denise? Bon, en effet, déjà, seulement 19% des rénovations concernent des passoires thermiques. Seulement, il me semble, 5% des rénovations permettent un saut de classe sur l'échelle du DPE. Et puis, 0,2% des rénovations ont été considérées comme étant performantes. Donc aujourd'hui, l'approche par geste, on le sait, elle n'est pas suffisante, elle ne permet pas de sortir du statut de passoire ou d'avoir un gain énergétique suffisant. Mais les aides aujourd'hui sont encore trop vers cette démarche-là et sont encore trop à encourager cette rénovation par geste. MaPrimeRénov, il y a un forfait rénovation globale, mais pas pour les ménages modestes. Donc, c'est aussi des forfaits sur des gestes isolés. Et puis, c'est des travaux qui sont lourds, qui peuvent faire très peur aussi, parce que voilà, c'est un bouleversement. Donc, c'est pas évident pour les ménages. Donc, si je vous entends, c'est l'enveloppe des aides. C'est l'enveloppe des aides qu'il faudrait amplifier pour pouvoir, au fond, aborder le sujet de façon beaucoup plus globale, logement par logement, immeuble par immeuble, etc. Est-ce que c'est ça? Oui, si on suit les conclusions de la Conseil pour le climat qui dit qu'il faut multiplier par 10 le nombre de rénovations performantes et puis multiplier par 4 l'effort public vers la rénovation performante, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, une rénovation performante, c'est de l'ordre de 67 000 euros. Et une rénovation performante, c'est pas seulement changer les fenêtres, c'est pas seulement l'isolation, c'est aussi aller sur des travaux qui sont plus lourds. Nous, les travaux qu'on suit à la Fondation Abbé Pierre, il faut parfois toucher aux gros œuvres. Et c'est pas, ça ne concerne pas que les fenêtres et que les aides qui sont très plafonnées et qui finalement ne correspondent pas du tout, complètement déconnectées des réalités chantier. Jean-Marc Torillon, ça veut dire qu'en fait, le compte n'y est pas. Il faut être beaucoup plus ambitieux en termes à la fois d'approche globale et en même temps d'aide au niveau financier. Hein. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord et des choses sur lesquelles je suis tout à fait d'accord. Je voudrais d'abord dire que, effectivement, donner une visibilité dans un calendrier d'ici 2050 serait excellent parce qu'on évite comme ça des effets inflationnistes sur des dates butoirs non anticipées. Donc ça, c'est très important parce que ça permet aux citoyens d'anticiper les obligations et dans le marché de la location ou de la transaction. Ce calendrier est intégré par les vendeurs et les acquéreurs et pèsera forcément d'une façon ou d'une autre sur le prix. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut distinguer, de mon point de vue, le collectif de l'individuel. Je pousse dans le collectif pour la rénovation globale. Qui, à mon avis, fait sens par rapport à un immeuble. La rénovation par geste en copropriété me semble très difficile. En revanche, la rénovation par geste dans l'habitat individuel, c'est une forme aussi d'accessibilité qui est donnée au propriétaire. Il peut le planifier, il peut cumuler à chaque fois une aide. Or, l'addition des aides par geste est souvent supérieure aujourd'hui à l'aide dans le cadre de la rénovation globale. C'est un paradoxe qu'il faudra, à mon avis, corriger. Donc, il y a aussi, dans la rénovation par geste, une vertu. Mais il y a un point fondamental et qui a été évoqué, c'est la confiance dans le résultat de la rénovation. C'est-à-dire faire dépenser 10, 20, 30, 40 000 euros, mais pour quel objectif de classement au bout? Et comment garantir à notre citoyen, comment garantir que les travaux qu'il va commander vont effectivement le faire progresser dans la classification future, puisque le DPE va changer au 31 juin, dans le DPE futur. Comment faire en sorte que s'il est F et qu'on veut l'amener au C, être sûr que les travaux qu'il fait vont atteindre cet objectif? Et là, j'insiste beaucoup,
notamment avec Madame la députée, pour qu'il y ait véritablement une politique de confiance sur les diagnostics qui vont être menés et qu'on ait un diagnostic qu'on appelle projeté, c'est-à-dire anticipant les travaux et garantissant qu'au bout, l'effort qu'aura fait notre propriétaire sera couronné d'un classement qui correspond à ce qu'il souhaitait. Alors, on va bientôt donner la parole au public, aux journalistes qui veulent poser des questions, veulent vous poser des questions. Je voudrais juste aborder un tout dernier point avant de clore ce débat. Quand on parle des aides, il y a évidemment un sujet central qui est l'efficacité de ces dispositifs. Or, selon un article publié dans Le Monde au mois d'octobre dernier, le ministère de l'Économie et des Finances a produit une note en 2017 qui indique que l'ensemble des aides, alors à part ma prime Rénov qui évidemment n'existait pas à ce moment-là, et bien que l'ensemble des dispositifs d'aide pour la rénovation énergétique des logements présente des résultats très modestes au regard de l'effort financier. C'est incroyable ça, Marjolaine Menu-Milfer. Comment on l'explique? Comment on l'explique? Par beaucoup de sujets, en fait. Donc, c'est complexe comme réponse. Non, mais ça pose de très, très grosses questions mais par rapport aux aides qui sont aujourd'hui en place. On a parlé de 7 milliards d'euros, ne serait-ce que sur le plan de relance, sans parler du reste. Mais ça rejoint tout à fait la question de Jean-Marc Torillon sur la question de la confiance. C'est bien sur la base notamment de cette évaluation qu'ont été révisées les aides complètement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on fait des travaux qu'on appelle de rénovation énergétique, c'est rarement pour des objectifs d'économie d'énergie. Mais alors c'est pourquoi ? La raison, c'est pour le confort, premièrement, et c'est les... C'est-à-dire que les besoins alors, de tous les mouvements d'aide qui ont lieu là n'ont pas pour effet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est ce que vous a dit Hélène, tout à fait. En fait, si vous voulez, le pourcentage des aides qu'on a, vous avez que 5% qui permettent un saut de classe. Mais si vous avez, si vous voulez, une machine qui est tombée en panne et que vous la remplacez, même si elle est un peu plus performante, bah, elle ne va pas révolutionner forcément la totalité de votre projet énergétique, mais il va falloir quand même la remplacer. Et vous, mais alors comment vous on fait? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des critères d'efficacité énergétique qui soient associés aux aides que l'on va accorder à tel ou tel ménage pour s'assurer que ça rentre dans ces fameux objectifs qui sont déjà extrêmement ambitieux si on veut réussir à les tenir d'ici à 2050? Alors, en fait, si je reprends, par exemple, une étude comme celle dont on parle, elle va considérer que c'est un effet d'aubaine chaque fois que vous bénéficiez d'une aide pour changer un équipement parce qu'il y a eu panne avant. Mais, si vous voulez, ça voudrait dire qu'on n'aide plus les gens quand on voit que la machine, juste avant, elle est cassée. Ça voudrait dire que, par exemple, si vos fenêtres, elles sont clairement obsolètes, vous avez plus... Enfin, je parle, par exemple, de simple vitrage. On considère que ce serait normal de les changer parce qu'elles sont de très mauvaise qualité. Ben là, on pourrait effectivement se rendre compte que ce serait quelque part obligatoire de le faire et qu'une aide là-dessus, ce serait en plus et que les gens, de toute façon, ils vont le faire. Mais alors, la réalité, c'est que les gens qui ont encore du simple vitrage, ils ne peuvent pas se permettre souvent de changer leur fenêtre. C'est pour ça que des aides sont importantes. D'accord. Comment ça se passe dans des autres pays comme en Europe du Nord, en Suède, etc. Ils sont dans les mêmes problématiques que nous, c'est-à-dire des aides massives pour une efficacité très relative. De ce que j'en connais, parce que ça fait 8 ans qu'on travaille dans le fioul domestique, donc on s'est lanté il y a 8 ans. Certains pays nordiques avaient déjà fait ce qu'on fait aujourd'hui en France dans le décret actuel, c'est-à-dire interdire l'installation des chaudières fioul. Donc on a un peu de recul et on a regardé ce qui se passait pour voir ce qui allait se passer en France. Ce qui s'est passé notamment en Suède, c'est que la coercition, ils ont mené la coercition, de ce que j'en connais en tout cas, et l'incitation en même temps. Mais la coercition, elle est surtout venue par l'augmentation du prix des énergies. Donc effectivement, il n'y a plus d'augmentation depuis 2 ans de la TICPE, donc ce qui fait que les énergies carbonées sont aujourd'hui les moins chères du marché. Du fioul est 2 fois moins cher que l'électricité pour 1 kWh. Alors qu'en Suède,
du fuel ou du gaz est beaucoup plus cher que toutes les énergies. Donc les gens ont donc on a tapé poussés. Sur le porte-monnaie quand même. On a tapé sur le porte-monnaie et il y a aussi une autre donnée assez importante, c'est que dans ces pays-là, notamment ces pays qui eux-mêmes sont producteurs de produits pétroliers, qui ont une rente pétrolière, les disponibilités financières des ménages sont beaucoup plus importantes pour lancer les travaux. Donc on est dans un contexte complètement différent qui est difficile de comparer, mais malgré tout, il y a des bonnes initiatives, notamment en Allemagne, sur le contrôle des travaux, des choses intéressantes dont il faut s'inspirer. Mais en tout cas, le fuel, pour reprendre l'exemple du fuel, le fuel est présent dans 3 pays en Europe encore fortement. C'est le UK, la France et l'Allemagne. Et partout ailleurs en Europe, c'est une énergie qui est très, très minoritaire. D'accord. On va maintenant passer aux questions du public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou à distance sur ce qui a été dit ? Alors, en attendant qu'il y ait des questions dans la salle, j'en ai une qui arrive à distance. Quelqu'un me dit « Le secteur du bâtiment est donc responsable de 19% des émissions de gaz à effet de serre, soit un cinquième des émissions totales, on le disait. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il jamais sanctionné ce secteur ?» Marjane Menemilfer. Qu'est-ce qu'on entend par « sanctionner » Bah, en gros, d'avoir une industrie qui produit beaucoup de carbone, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des taxes carbone sur certains secteurs qui sont plus émetteurs de Mais c'est de nous, en fait, les gens à sanctionner dont on parle. Hein. C'est l'occupation des bâtiments, finalement. Tous les bâtiments, c'est-à-dire ceux où on travaille, ceux où on habite, etc., ce serait ça qu'il faudrait sanctionner d'une certaine manière. Si vous voulez, en France, on a, vous parliez de comparaison européenne, on a les bâtiments qui sont aujourd'hui parmi les moins performants d'Europe. Parce qu'en fait, on s'est mis plus tard que les autres à mettre des obligations, en fait, de fortes obligations sur la qualité des logements au moment de la construction. Les premières réglementations thermiques, elles datent des années 70, ce qui fait que notre parc, il est plutôt pas de très bonne qualité. En termes de comparaison avec nos voisins européens, notre rapidité de traitement, par contre, elle est à peu près équivalente. Mais comme on part de plus loin, on est toujours en queue de peloton, si vous voulez. Et donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à un moment donné à basculer d'une logique d'obligation de moyens, ce qui est aujourd'hui la règle dans les économies d'énergie, à une obligation de résultat dans les économies d'énergie? Et donc, c'est peut-être là où on peut parler d'une forme de contrainte plus forte vis-à-vis des professionnels de la rénovation énergétique, c'est de dire que vous devez garantir les résultats, comme c'est le cas dans d'autres du secteur de la construction. Vous avez une garantie décennale pour vous garantir, vous êtes responsable de ce que vous livrez. On pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir une forme de responsabilité à l'économie d'énergie. Jusqu'à présent, ça n'a jamais pu être fait. Parce qu'on ne peut pas s'assurer de l'usage des gens à l'intérieur des bâtiments après travaux. C'est-à-dire que si après travaux, les gens ils décident de se chauffer la fenêtre ouverte, les consommations d'énergie elles resteront élevées, mais ce ne sera pas la faute de l'artisan. Quel est votre point de vue, Jean-Marc Thorion, sur cette question ? Moi, je pense qu'au départ, quand on a fait le diagnostic de performance énergétique, on ne s'est pas attaché au gaz à effet de serre. On s'est attaché au coût. Or, d'un côté, vous avez un problème de pollution, et de l'autre, vous avez un problème de coût d'énergie. Finalement, l'énergie qui produit le moins de gaz à effet de serre est la plus sanctionnée dans le diagnostic de performance énergétique, c'est l'électricité. Et quand vous chauffiez au fioul, vous étiez plutôt bien classé en BPE et mal en gaz à effet de serre. Qu'est-ce que c'est BPE ? Le diagnostic de performance énergétique obligatoire depuis 2006 dans les ventes. Et donc, la réalité, c'est que la réorientation sur le gaz à effet de serre, elle est relativement récente. Et ce n'est pas si difficile, forcément. C'est-à-dire que peut-être demain, je vais devoir payer plus pour polluer moins. Et donc, il y a bien une question de politique publique du logement par rapport à cette affaire-là. Moi, je suis. Je pense qu'il faut pas être hypocrite quand même. C'est qu'au départ, ce n'était pas forcément le premier objectif. Oui, donc en fait, donc, là, l'inversion, c'est qu'en gros, ça va nous coûter davantage, d'une façon ou d'une autre, de polluer moins.
Ah, ça me paraît évident, ou en tout cas, l'énergie va coûter plus cher, donc l'isolation thermique et la performance énergétique sera la clé d'une certaine diminution du coût de votre chauffage, mais surtout d'une diminution de son effet polluant. Hélène Je vous Denis, donne ça, un exemple. c'est un sujet pour vous, j'imagine, sur la notion de précarité. C'est qu'en gros, pour polluer moins, ça va nous coûter davantage. Et donc, ça va peser davantage sur les plus précaires. Alors, Bah, ça peut peser effectivement davantage sur les plus précaires, mais je voudrais juste illustrer mon propos pour bien que les gens comprennent. Quand après. vous aviez une production de gaz de votre chaude dans votre chambre individuelle, et que vous remplacez cette production de gaz par une production électrique, vous étiez moins bien classé. Alors, vous polluez moins. Hein? Hélène Donc, Denis. je vous montre ici les éléments techniques. Alors, effectivement, sur les personnes les plus fragiles, cette notion de coût va peser, bien sûr. Et Et donc, il faut trouver comment faire la face à correction. ça, Hélène Denise? Bah, en effet, c'est vrai que la hausse des prix d'énergie récemment a aussi augmenté le phénomène de la précarité énergétique et la réforme du diagnostic de performance énergétique qui est en cours nous inquiète personnellement parce que, en fait, on va passer d'une expression en énergie primaire, comme aujourd'hui, donc à une énergie finale. Et donc, les logements qui finalement polluent le moins, qui sont les logements à l'électricité, vont sortir du statut de logement très énergivore, qu'on appelle passoire thermique. Mais le problème, c'est qu'on va arriver à une dissociation, en fait, entre le coût, en fait, entre la facture et la consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui parfois vont dépenser 2 000 euros, 3 000 euros par an en électricité et qui sont en précarité énergétique grave vont être considérées comme étant dans un logement qui n'est pas énergivore et du coup ne vont pas bénéficier des interdictions, par exemple, de location que la Convention citoyenne a proposé et qui est dans le projet de loi d'interdiction de location des passoires. Ces personnes-là qui sont en précarité énergétique parce qu'elles sont chauffées à l'électricité ne seront pas protégées. Donc c'est assez Alors, compliqué. je vais passer à une, parce que le temps file, je vais passer à une autre question qui vient d'un internaute. Si les résultats ne sont pas à la hauteur, c'est largement parce qu'il n'y a pas une demande sociale. Comment donner envie à nos concitoyens de rénover leur logement? Bah là, je m'adresse à vous, Hélène Denise. Bah alors, donner envie, il faut déjà que ça leur soit possible. Enfin, moi, je parle pour les personnes en précarité énergétique, les personnes modestes. Il n'y a pas une question d'envie. Ces personnes-là, elles ont envie de pouvoir se chauffer, elles ont envie d'avoir un logement confortable, mais il faut leur donner les moyens, et aujourd'hui, elles ne l'ont pas. Et c'est pour ça que nous, à la Fondation Abbé Pierre, on plaide pour un reste à charge minimal pour des performances maximales de rénovation. C'est la seule solution parce que même si on passe par un système de tiers financement, de financement grâce aux économies d'énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de ménages qui sont exclus de ces dispositifs-là. Donc, à part un investissement et un effort public maximal, on ne pourra pas donner envie à ces ménages-là Je de suis pas tout à rénover. fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire... Je suis pas d'accord. C'est-à-dire que, en réalité, on s'est trompé sur le discours. On a vendu le fait que les travaux que l'on devait faire allaient produire des économies d'énergie. On a vendu un résultat économique. Or, ce résultat économique, il est difficilement tangible. Et il était insuffisant pour justifier un retour sur investissement. Et on n'a jamais parlé en termes de confort et d'agrément de vie dans un logement qui est parfaitement isolé. Et aujourd'hui, les discours, justement, sont en train de changer. Il faut parler positivement de la rénovation énergétique. Il faut arrêter de dire ça va coûter, ça va coûter, ça va coûter. Non. Il y a quand même Qu'est-ce un qu'on met coût quand dans même le qui est afférent à cela. Oui, mais écoutez, vous avez 67 000 transactions en France par an. Il y a quand même un flux économique qui est capable de répondre à des obligations. Arrêtons de cantonner la rénovation énergétique à une catégorie de population. Essayons de massifier notre raisonnement à la hauteur de ce qu'est la réalité aujourd'hui du patrimoine immobilier français. Et il faut tenir un discours positif et non Alors, pas un discours négatif, systématiquement, sur la notion de coût,
sur la notion de coercition, sur la notion de sanction. Alors justement, en guise de conclusion pour chacun de vous, moi j'ai une question qui était quand même le thème central de ce débat, c'est faut-il contraindre, faut-il obliger les Français à faire des travaux, enfin les Français propriétaires bien sûr, ou faut-il les inciter? Et est-ce que l'incitation finalement c'est suffisant quand l'objectif est de arriver à une neutralité carbone d'ici 30 ans pour l'ensemble du parc immobilier? Je commence par vous, Jean-Marc Thorion. Moi, je suis évidemment contre les sanctions, mais aucun pays aujourd'hui n'a produit une interdiction de location, sauf la Grande-Bretagne. Donc la France serait un des pays les plus importants en termes de sanctions, notamment l'interdiction des parcs locatifs. La sanction pour moi ne se conçoit que dans un système qui prévoit les aides qui l'accompagnent. Donc, pour ma part, la vraie sanction va venir de la demande sociale, d'un changement de comportement du consommateur, de nos jeunes, et la sanction va finalement venir du marché. Et bon. C'est comme ça qu'on va accompagner le mouvement, et en parlant positif. Non aux sanctions, oui à l'accompagnement. C'est très clair. Pour aller vite, Hélène Denise, donc c'est pas de sanctions, parce qu'en gros, ça va se faire naturellement, vous achetez ça? Non, pour nous, il faut des obligations qui soient échelonnées, qui soient adaptées aux différents publics, donc selon leurs revenus, leur mode d'habitat, leur niveau de performance du logement. Je ne veux pas être vue comme étant négative, mais moi je parle pour des personnes, 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique, 4,8 millions de passoires thermiques, dont 2 millions occupés par des ménages modestes qui n'ont pas les moyens de rénover, à part si on leur donne les moyens. Et donc ces obligations, oui, pour atteindre les objectifs, mais accompagnées de moyens humains, financiers, techniques, comme le disait Marjolaine, sur le terrain, des artisans qui ont les moyens de le faire, et une lisibilité dans les sanctions, voilà, progressives, etc. Hervé Delval. Pour essayer de synthétiser ce qui s'est dit et pour le centrer sur ma clientèle que je connais le mieux, aujourd'hui, il y a une attente d'augmentation de l'assiette et du montant des aides, donc qu'elles soient plus généralisées, tout en ayant un contrôle plus important sur le résultat des travaux. Parce qu'aujourd'hui, notamment chez ma clientèle qui est souvent en zone rurale, souvent assez âgée, il y a eu énormément d'abus, de gens qui sont venus chez des gens qui mettaient la clé sous la porte 2 mois plus tard et qui ont réalisé des très mauvais travaux. Donc si on augmente les aides, ça ne peut pas aller sans une augmentation drastique des contrôles qui ont lieu de plus en plus, mais encore trop peu. On est sur des échantillonnages très faibles. Donc ça, c'est l'urgence et à mon avis, c'est ce qui doit être fait dans les 3-4 années à venir. Et en parallèle, je suis assez d'accord sur le fait que les sanctions, elles doivent être échelonnées dans le temps et ces propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, doivent à un moment donné ne plus pouvoir louer leur logement s'il est insalubre. Marjolaine Meynier, Millefer, on voit bien, il y a la Convention citoyenne pour le climat qui préconise qu'on oblige à faire des travaux et le président de la République qui, lui, serait plutôt sur une logique d'incitation. Mais au fond, est-ce que l'incitation, ça suffit à me pousser à aller dans la bonne direction si j'en ai pas envie? Il y a un moment donné, là, il y a une obligation de résultat, c'est atteindre les résultats, quoi. Ben, vous avez raison. Et une des difficultés qu'on a, c'est qu'on met un peu tout le monde dans le même bain. Je crois qu'il faut vraiment bien distinguer les différents types de publics. Ceux dont parlaient Hélène et la Fondation Abbé Pierre, c'est typiquement des publics à qui on pourra bien mettre toutes les contraintes qu'on veut extérieures. On fera que les étrangler davantage et ils se retrouveront dans des situations encore plus terribles. Et il ne faudra pas s'étonner, effectivement, si on recrée des gilets jaunes. Donc vous n'êtes pas pour la contrainte? Alors, je n'ai pas dit ça parce que je pense qu'en fait, il faut les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est... Et c'est assez typique, hein, n'est-ce pas, LREM? C'est quoi? Ouais, c'est en même temps. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut la contrainte qui soit lisible dans le long terme. Ce n'est pas une contrainte qui peut démarrer demain matin. Parce qu'en réalité, on n'est pas capable de répondre à cette contrainte. Il faut que dans le même temps, on mette une contrainte lisible dans le long terme, une incitation d'ici à là pour ceux qui peuvent, un accompagnement total pour ceux qui ne peuvent pas, qu'on aide en parallèle la montée en charge de la filière pour qu'elle soit capable de développer les solutions. Aujourd'hui, on a toutes sortes de solutions qui ont été développées, typiquement les offres à 1 euro, on en a parlé, et l'IPO, on est un bon exemple. C'est des solutions qui ont été inventées sur le marché,
qui fonctionne très bien, mais vous l'avez vu aussi, quand on ouvre trop vite les aides financières ou des solutions, on a des éco-délinquants qui se mettent sur le marché. Pourquoi ? Parce que le marché existant, il n'est pas capable d'y répondre. Et c'est de nouveaux acteurs, pas forcément bien intentionnés, qui faufilent. Tout ça, c'est à mesure du temps, encore une fois. Bon. Et il faut qu'effectivement, on puisse contrôler cette montée en charge. Eh bien, je retiens cette synthèse qui est à la fois contraindre et en même temps inciter. Ben, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Maintenant, je vais passer à la conclusion donc, de cette journée. Merci infiniment. Merci. Merci à tous. Merci pour ces interventions. Trois petits points de conclusion très rapides. Je ne vais pas répéter après Guy Lagache. Tout d'abord, ce débat, ces échanges ont bien révélé ce clivage entre les objectifs ambitieux, cette envie d'aller plus loin pour répondre à l'urgence écologique, économique, sociale surtout. Effectivement, Mme Denise a rappelé les chiffres de la précarité. Ils sont tombés hier. 18% des Français ont des difficultés pour régler leur facture d'énergie. Donc face à cette urgence, on pense évidemment à l'option du coercitif. Elle a été recommandée par la Convention citoyenne du climat de manière progressive. Face à cela, les moyens réels dont on dispose sont-ils suffisants ? Madame Marjolaine Millefer en a parlé. Le nombre d'entreprises de travaux RGE formées, qualifiées, doit répondre à la demande, doit travailler ensemble pour répondre à cette obligation potentielle de rénovation énergétique globale. Également, les financements sont-ils suffisants aujourd'hui pour financer ces travaux de rénovation ambitieux ? Quand on voit le reste à charge qui reste à la fin du mois. La résistance des ménages est évidemment un sujet également à prendre en compte. Le souvenir cuisant du contexte de la taxe carbone peut parfois freiner l'envie d'accélérer les politiques de rénovation énergétique. Ce deuxième point, c'est le risque qu'on constate d'égal, un risque de perte de crédibilité de la parole politique, quand on met des objectifs ambitieux et que les moyens effectifs et les chiffres réels sont-ils vraiment suffisants pour atteindre ces objectifs ? Évidemment, la non-acceptabilité de la politique de rénovation énergétique. Et enfin, surtout, pour nous, le risque, c'est aussi de donner un peu de discrédit à toutes les avancées qui ont été mises en avant dans la rénovation énergétique. Sans faire la défense du gouvernement, il faut quand même rester assez positif. En 4-5 ans, sur la décennie qui vient d'arriver, des avancées considérables ont été réalisées dans notre secteur. Sur la partie simplification du parcours, on revient d'un crédit d'impôt transition énergétique à une prime unique. Ça a été un combat de tous les acteurs du bâtiment. Deuxièmement, un budget quand même historique versé au financement de la rénovation énergétique des particuliers, plus de 2 milliards qui s'accumulent avec les autres aides privées disponibles. Et enfin, encore un point positif, des entreprises de travaux qui se professionnalisent, qui s'articulent entre elles et à notre échelle, avec lequel nous travaillons, une professionnalisation du savoir-faire. Effectivement, à notre échelle, Elio, en 3-4 ans, on réussit maintenant à travailler avec les entreprises de travaux pour créer des programmes de travaux clés en main d'isolation et de chauffage avec, tant que faire se peut, le financement du reste à charge. Donc, et c'est mon troisième point, est-ce que l'enjeu de ce projet de loi Convention citoyenne, des débats parlementaires qui auront lieu, réside vraiment dans l'option coercitive ou surtout sur les moyens réels dont nous allons disposer pour rénover nos logements et répondre aux objectifs. Donc peut-être, au lieu de se concentrer sur cet objectif coercitif, essayer de tenter de créer un droit réel à la rénovation énergétique dans ce projet de loi. Focalisons-nous sur ces entreprises de travaux qui doivent être peut-être plus nombreuses, plus formées, plus valorisées pour répondre à la demande. Focalisons-nous également sur le lien effectif entre travaux et impact sur la facture à la fin du mois. Et troisième option, je reprends la proposition de France Stratégie de faire émerger des opérateurs uniques, publics ou privés, qui permettraient de réaliser des projets d'économie d'énergie de bout en bout avec les partenaires de travaux. Je pense que c'est une proposition qui, à la clé, pourrait donner 250 000 rénovations énergétiques annuelles et qui pourrait permettre d'accélérer le mouvement. Nous répondrons en tout cas à ces débats en temps et en heure. Merci à vous. Merci beaucoup, Marina. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée et à vous remercier d'avoir participé au premier débat Elio.
2021 et nous espérons en réaliser un prochainement, j'espère, n'est-ce pas, en Marina figital. En digital, voilà. La technique était là, on vous a bien entendu. Merci beaucoup tous les trois d'avoir participé à cette conférence. Merci à Hervé d'avoir été présent sur place et merci également à Guy Lagache et merci au public qui a pu se rendre disponible ce soir. Très belle soirée. Merci.